Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Mansour Diagne, en classe de CM2A à l'école élémentaire sénégalaise de Kanifé. Ah, ça, c'est la beauté de la Sénégambie, un peuple uni. Alors, mon très cher, ce matin, nous allons parler d'un son, le son feu. Le son feu peut s'écrire feu, une seule lettre, une rafale, fantastique, le parfum, enfin, sacrifié. Feu peut aussi s'écrire en deux lettres, avec les mots difficiles, souffler, chauffer, le gouffre, suffire. Il peut aussi s'écrire feu, PH. Un typhon, un éléphant, une phrase, un saphir. On trouve aussi l'écriture feu, PH, dans de nombreux préfixes et suffixes d'origine grecque. La morphologie, un paragraphe, une photographie, une symphonie, un ophtalmologiste, un anthropophage, un philanthrope. Ah, bravo, mon grand Ousmane, mais attention, avec toujours le son feu. À la fin d'un mot, le son feu peut s'écrire feu, une seule lettre, la soif, feu, F-E, la girafe, F-E, 2-F-E, la greffe, F-E, P-H-E, le triomphe. Et pour les mots commençant par AF, F ou bien OFF? Les mots commençant par AF, F, OFF s'écrivent avec 2-F, affirmer, effectuer une offense. Exception avec afin, l'Afrique, africain. Magnifiquement, très cher. Alors, essayons de faire un petit résumé. Le son feu peut s'écrire feu, une seule lettre, feu en deux lettres et feu avec PH. On trouve aussi l'écriture feu, PH, dans de nombreux préfixes et suffixes d'origine grecque. À la fin d'un mot aussi, le son feu peut s'écrire feu, une seule lettre, feu, F-E ou feu, 2-F-E ou bien feu, P-H-E. Notez aussi les mots commençant par AF, F, OFF, s'écrivent avec 2-F, exception avec AFIN, l'Afrique, africain. Oh, bravo mon grand, une belle règle sur le son feu. Et ça nous vient de Mohamedou Mansour. Il est à l'école élémentaire sénégalaise de Kanifing. Nous sommes en Gambie. Merci beaucoup Mohamedou Mansour. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Zéro Faute, le plaisir de la langue.